Salut à tous, c'est FrenchBerry94 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay. Salut à tous, c'est FrenchBerry94. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Rising Storm. Un petit gameplay spécial en fait, parce que cette nuit donc j'ai fait une mise à jour du jeu. A priori il y a une mise à jour du jeu qui a été lancée sur Steam, une grosse mise à jour a priori. J'ai le changelog là devant les yeux avec une traduction Google, donc c'est pas fameux. En gros, là je suis à l'écran, là vous voyez, je suis donc chez les Japonais. Qu'est-ce qui change chez les Japonais? Pour les fusils, a priori, pas grand-chose. Juste, je crois que c'est dans un des deux fusils, alors je regarde, si il me semble qu'il parle de la type 38, voilà. À partir d'un certain niveau, on peut a priori y mettre un peu plus de munitions, donc ça c'est pas mal. En assaut, bah pour l'instant rien de nouveau. Mitrailleur, j'ai pas vu dans le changelog, mais a priori rien de nouveau. Tireur d'élite, là une nouveauté, un nouveau fusil sniper. Alors c'est lequel? C'est le 97 ou le 99? Je dirais que c'est le 97 le nouveau, vu que je suis au niveau 0 et que je suis amélioration niveau 1. Je pense que ça va être celui-là le nouveau. Bon, faudra l'essayer pour voir. Et aussi, l'arme secondaire, on peut avoir le 1911. Donc ça c'est aussi, c'est une nouveauté. Bon, est-ce que c'est vraiment bien dans la réalité que les Japonais étaient équipés d'armes? Alors je sais pas si c'est une arme américaine de base ou autre, je sais pas. Mais bon, voilà. C'est une des nouveautés. Sapeur. Non. Est-ce qu'il y avait déjà la classe sapeur chez les Japonais avant? Alors là, maintenant, j'ai un gros doute. Bon. Mortier léger. Pas de nouveautés. Chef d'escouade. Pas de nouveautés. Commandant, pas de nouveauté. Voilà. Et aussi, une des grosses nouveautés, c'est une nouvelle map. Elle s'appelle Betio. C'est une map, en fait, qui est tirée d'un fait réel qui s'est passé pendant la guerre du Pacifique. Alors, je fais pas mon historien de base de la Deuxième Guerre mondiale dans le conflit du Pacifique, mais bon, j'ai le changelog sous les yeux, où, en fait, cette map est tirée donc d'un endroit et d'un moment de la guerre réelle. Donc c'est pendant la bataille de Tarawa en 1943, donc où c'était a priori la première grande offensive américaine par la voie des mers dans la bataille du Pacifique. Voilà. Donc voilà. Quelles sont les autres nouveautés? Alors attendez, déjà, on va prendre la classe. Sapeur, qu'est-ce qu'il a? Il a des explosifs, fusil, non, je m'en fiche. Ouais, moi j'aime bien cette classe-là. Puis en plus, je commence à avoir je monte bien dans les niveaux au niveau de la mitraillette, la Nambu type 100. Je l'aime bien. Donc je vais continuer sur cette classe. Allez, on lance. Voilà, on va découvrir ensemble, parce que c'est vraiment la toute première fois que je me connecte à cette nouvelle map. Donc je vais la découvrir en même temps que vous. Qu'est-ce qu'il y a dans les grosses nouveautés? Ah oui, une très grosse nouveauté, et ça me plaît plutôt pas mal. C'est qu'il y a un mode campagne multijoueur. Ah super, mais trop la classe. Alors ça, j'aurais voulu le faire exprès, je crois que j'y serais pas arrivé. Bon, bah j'espère que le changement de map... oui, je suis même pas dernier en plus. J'espère que le changement de map va pas s'opérer tout de suite, qu'il y a un second tour. Voilà, j'ai gagné quelques points sans rien faire. C'est trop de la boulette. Donc, bon, bah pour découvrir cette nouvelle map, c'est un peu loupé en espérant... Voilà, là aussi je gagne des points. Défaite, hein, super. ok. Début du vote du territoire dans 10 secondes. 10, ouais. Eh ben, je me demande si je suis pas tombé sur un serveur justement qui est en mode campagne. Ah, je suis quasiment sûr, c'est ça. Ouais. Donc bon, bah voilà, je voulais le... Alors là, c'est à nous... D'accord, tout le monde vote ici. Bon, bah en même temps...
Est-ce que ça va changer quelque chose si je vote autre chose? Je crois pas, allez. Voilà. Donc voilà, un mode campagne multijoueur. Donc bah voilà, je pense qu'on y est. Carte disponible sur le territoire. Ah mince. Ah mince, je vais pas pouvoir vous faire découvrir cette nouvelle map. Bon. Iwo Jima, Anto, Iwo Jima. Bon allez, l'ennemi est en train d'attaquer. Allez, 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 c'est bon. Donc mode campagne multijoueur. A priori, c'est pas que a priori. Il y a donc des nouvelles armes, ça on l'a vu côté japonais, mais il y a aussi des nouvelles armes côté russe, c'est-à-dire que cette mise à jour prend en compte aussi Heroes of Stalingrad. Donc a priori on a une nouvelle arme chez les Russes, pas côté américain, a priori je ne vois pas, ni côté allemand, en même temps la traduction Google. C'est bof bof, mais enfin ça permet de donner une idée, un aperçu, si on parle pas très très bien l'anglais, du changelog. Ensuite au niveau gameplay, une chose ah oui, que j'ai retenue et qui me fait plaisir, donc c'était pas un bug, mais une correction, a priori il serait quand même plus facile de s'allonger et de ramper dans des endroits comment dire, assez restreints, c'est-à-dire qu'avant, votre personnage ne pouvait pas s'allonger ou ramper parce qu'il n'y avait pas assez de place. C'était un peu limite limite parce que bah, il y a des fois il y avait quand même largement la place et mais bon on ne pouvait pas le faire. Allez, allez, on va continuer, on va prendre assaut. On y va toujours côté japonais. Avant j'aimais pas trop prendre les japonais. Je trouvais les armes pourri. Et puis finalement, bah je prends que japonais en ce moment. Après, j'ai passé aussi de l'autre côté, hein, côté un peu américain, pour aussi améliorer les armes de leur côté. Mais en tout cas, je m'éclate bien en japonais. Et j'aime beaucoup cette arme, la Nambu. Au départ, je la trouvais vraiment toute naze. J'avais l'impression que c'était plus une cloueuse pneumatique qu'une mitraillette. Mais finalement, elle est pas si. Ouais, j'étais. Oula, je confondais un peu les commandes avec DayZ. Je voulais viser avec le clic droit, mais non, c'est pas comme ça. Allez. Donc là, faut se méfier parce que les Américains, ils arrivent de là-bas. Tiens, là-bas, il y en a un. Tu crois que je t'ai pas vu, toi, là-bas, qui te cache dans les herbes? Allez, vas-y. Alors après, j'ai. Bon, après, j'ai. Pas regarder le changelog en entier pour voir s'il y avait d'autres nouveautés. Je l'ai sous les yeux, mais là en même temps, ça va être difficile de regarder le changelog. On cherche les ennemis. Ça bouge pas là-bas, là, dans les fourrés. Putain, ils envoient le bombardement là, c'est chaud, sa race. Tiens, toi, on va récupérer des armes. Oh, bien, j'ai repris sa mitraillette. Alors. Parce qu'il faut faire gaffe s'il n'y en a pas qui vont contourner notre position, l'enfoiré. Bien joué. Ah, il était bien caché dans les fourrés. Ah là 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 là. Tiens, je profite aussi de cette vidéo pour faire un petit coucou, un petit clin d'œil, une petite dédicace à Capitaine Falcon qui doit arrêter sa série sur Rising Storm, sa série avec les abonnés, par faute de temps, parce que voilà, hein, faute de temps, donc voilà. C'est quand même beaucoup, carrément même grâce à lui que bah, j'ai découvert ce jeu, d'abord par Heroes of Stalingrad, et puis comme j'ai bien accroché sur Heroes of Stalingrad, bah, j'ai attendu aussi cette nouvelle. Oh l'enfoiré! Oh non, 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 non! Oh non, vas-y, je t'ai bourriné la gueule. Ah, j'ai quand même, je l'ai blessé, j'ai une assistance pour mort.
Ouais, un point, trop de la boulette, je suis trop fort, je suis trop un PGM de Rising Storm. Donc voilà, ouais, c'était le petit clin d'œil, le petit coucou, le petit salut, Captain Falcon, si tu nous regardes. Voilà, c'est grâce à lui que j'ai découvert ce jeu et je m'éclate comme un petit foufou. Il y a le lance-flamme là-bas, mec! Voilà, c'est le petit coucou, le petit clin d'œil. Allez, on va quand même nous se concentrer un peu sur le gameplay. Américain. Oh putain, tu m'as fait peur, toi. Est-ce que ça passe par là en général? Ça contourne ce jeu, ça contourne tout le temps. Petit coup sur la map, je suis où? Ouais, je suis pas mal là. Je suis un bon endroit. Ouais, regardez, il y a le lance-flamme qui se pointe là-bas. Allez, vas-y la grenade. Ouais, pas mal l'explosion avec les éclaboussures de flotte. J'ai jamais fait gaffe ça. Alors, ouais, voilà, je peux m'allonger, hein. Typiquement, voilà, un endroit comme ça en pente à côté d'un gros caillou, même si j'ai de la place ici, avant, c'était pas possible. Et maintenant, c'est... Ah, ça, c'est bon, ça. Bon. Allez, on va avancer un peu. Ouais, alors attends, attends. Moi, je vais pas passer devant lui, parce que si c'est au même moment qu'il décide de lâcher la foudre furieuse. Punaise, je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai hésité à savoir si c'était un Américain ou un Japonais. Oh, punaise. Oh, je rage, je rage, je rage. Allez. Bon, bah pour l'instant, c'est pas très joli joli, hein. Oh putain, 123 mètres. Putain, c'est loin. Allez. Wouh! Allez, mon petit gars. On va pas se faire avoir comme ça. On est chez nous, bordel! Ça me tire dessus ou pas? J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça me tire dessus. Oh. Mais oui, ça me tire dessus. Par contre, ouais, j'ai fait une petite mise à jour au niveau de mon PC. Notamment au niveau de ma carte graphique, et j'ai installé un logiciel donc, qui était avec le nouveau pilote, c'est du chez Nvidia. Et un petit logiciel qui permet d'améliorer les caractéristiques suivant le jeu, donc qui optimise automatiquement les réglages dans le jeu. Putain, oh putain, ça défouraille, j'ai rien vu du tout. Oh, je suis mauvais. Donc, j'ai l'impression que moi, personnellement, là, les graphiques sont plus fins, sont mieux, sont... Ouais, en effet, ça a l'air mieux optimisé pour ma carte graphique, et puis aussi, ça prend en compte votre processeur. Donc, pour ceux qui ont des cartes graphiques Nvidia, bah, allez faire la mise à jour. Alors, le plus simple, c'est avec maconfig.com. Je fais pas de pub, mais c'est vachement bien. Putain, je suis mauvais, là, en ce moment. Et donc voilà, petit logiciel associé avec les nouveaux pilotes de ma carte graphique, bah c'est pas mal hein, ce petit truc pour optimiser. J'ai essayé hier dans Arma et en effet, je vois largement la différence. Arma est beaucoup plus beau. Alors je ne l'ai pas essayé avec logiciel de capture Action de Mirelis, voire parce que ça prend quand même Action prend quand même pas mal de ressources. Oh putain, j'entends les balles qui sifflent, je sais pas où je suis. Je suis là. Putain, personne ne peut envoyer un avion de reconnaissance. Ok, là, faut tenir.
Ok, donc ça va arriver, hein. Et donc voilà. Alors après, je sais pas si au niveau rendu de la vidéo, quand je vais faire le montage et tout, si vous allez voir la différence. Mais bon, moi déjà en jeu, je vois la différence et ouais, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Putain, ça bouge là-bas, mais je sais pas si c'est un pote. C'est l'angoisse. Je suis pas concentré là. Je suis en train de vous parler. J'étais sur le changelog, ma petite life, Captain Falcon. On va se mettre à l'abri. Hop là. Je vois rien. Attends, on se met à couvert. Oh punaise! Oh là 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 là. Putain, je suis nul, mais je suis nul sur cette partie. Oh là là, j'aurais dû faire une petite partie à blanc là, comme ça, tout seul dans mon coin pour m'échauffer. Eh ben non. Bon. En plus, je voulais vous montrer la nouvelle map. Ça aussi, fail. Ok. Alors attendez, la map, je suis là, touc touc touc. Sur ma gauche, on va aller directo sur la gauche là-bas, il y a du monde. Ça contourne, ça contourne. Ils sont en train d'attaquer le point C. Allez. Oui, bah j'arrive, j'arrive. Hop, hop, hop. J'ai pas rêvé, on a tiré devant moi. Ouais, moi aussi je me chie dessus, mec, j'ai trop peur. C'est ce qu'il a dit en japonais, hein, parce que j'ai fait aussi maîtrise deuxième langue japonais. Lol, je déconne. Attends, c'est le point D? Oh punaise. Allez, grimpe. Ouais, ils viennent de par là? Je sais pas, tout le monde regarde par là. Ça me saoule d'en rien voir. Ok. Je me cache derrière toi, mec, hein. Comme ça, tu te prends une balle. C'est qui? C'est un Américain, ça? Ou c'est un Japonais? Oh putain, c'est un Américain, je l'avais vu là-bas. Oh putain, ça chie là. Oh putain, je suis mal placé là. Si ça arrive des deux côtés, je suis mal moi. Oh putain. Oh putain! Non, je change pas de rôle, c'est pas grave. Je voulais prendre le sniper, mais c'est pas la map, elle est pas bonne, elle est pas bien pour un sniper. Au moins de se mettre sur une tour là-haut, mais bon, c'est un peu visible, hein. C'est un peu coucou, regardez, tire au pigeon, c'est moi, allez-y, défoncez-moi la rondelle. Oh, qu'est-ce que je suis mauvais, oh là là.
Oh putain, puis c'est le dernier point là, faut le tenir. Faut le tenir les gars. Bon, en même temps, c'est pas avec ce que je fais que je vais vous aider. Hein. Ouh là là. Oh puis ça y est, ils attaquent déjà. Oh punaise, mais c'est pas vrai. 6 mètres, je l'ai pas vu. Le mauvais, mais le mauvais! Oh là là, j'ai presque honte de mettre ça en ligne. Bah ouais, hein. Je dirais que c'est même plus que perdu. Je dirais qu'on s'est bien fait défoncer la rondelle. On s'est bien fait éclater. Oh, un point, j'ai fait une assist. Ouais, trop de la boulette! Je suis trop un PGM, je suis trop fort. Super, la grosse honte. Bon allez, je vais faire une petite ellipse et puis moi je vais retrouver un serveur avec la nouvelle map quand même. C'était un peu le but de ma vidéo. Défaite serrée. Ouais, on a serré les fesses, ouais. Bon allez, ellipse. Allez, me revoilà, ça y est, destination Betio. Je sais pas si on prononce comme ça en même temps. Betio, Betio, Betio. Ouais non, Betio. Betio, Betio. Betio. Ouais, c'est pas mal ça. Betio. 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 Ouais, d'accord. Ça y est, moi, je crois que j'ai craqué du slip. Je m'en fous, c'est week-end. Pour l'instant, il fait beau. Et... ça, c'est bon. Allez. Je sais pas combien on en est en durée là de vidéo, mais je m'en fous. Je fais cette map et puis, puis je vais vous laisser tranquille. DayZ, c'est toujours pas reparti. C'est toujours pas reparti parce que le serveur sur lequel je jouais, allez, toujours japonais, je l'aime bien. Assaut, parce que j'aime bien cette classe et j'aime bien cette arme. DayZ toujours pas reparti parce que le serveur est toujours en rade. Alors est-ce que c'est définitif ou pas? J'ai bien l'impression parce que ça commence à faire longtemps. Et ça me fait vraiment, mais alors vraiment chier de recommencer un nouveau perso sur un nouveau serveur. Après bon bah... s'il faut, il faut hein. Mais c'est dommage, j'aimais bien ce serveur. Il y avait des gens cool, des joueurs cool. C'était francophone. Personne aux fenêtres. Allez. Alors, bah là, je découvre la map hein, avec vous. Allez, grimpe, mon ami. Tu peux pas passer par la fenêtre? Oh putain, oh non, mais non. Oh non, c'est abusé, là. Alors, la dernière fois, j'ai même pas fait une seconde. Là, j'ai fait, allez, 40 secondes. Oh non, ça déconne. Ça déconne, les mecs, non. Oh non. Bon, je crois qu'on va être reparti pour une ellipse. Hein. Ou alors c'était le premier tour. On attend le deuxième tour. Mais pourquoi il joue là? Moi je veux jouer aussi. Eh les gars. Je peux jouer? Je peux jouer? Allez, on vote. Betio les gars. Ouais, c'est bon, ça vote en masse. Ouais, c'est bon. C'est bon, on va être reparti et là... allez, c'est bon. Là, on tient le bon bout, les gars. Allez, on va dire bonjour à tout le monde. Salut à tous. Ok, on dit rien du tout et on ferme sa bouche. Oh là là, je sens que c'est pas le jour. Je sens que c'est pas le jour. Tiens, le changelog. Qu'est-ce qu'il y a? Ramper dans des espaces restreints, par exemple tranchées, est moins restrictive. Donc ça, je vous l'ai dit. La carabine chez les Japonais de type 38 se clip maintenant de munitions supplémentaires au niveau 3. Bon, vous avez vu la traduction. Suppression de plus un rechargement de la PPSH 41. Suppression de plus un chargement. Ouais, okay. En gros, ils ont enlevé un chargeur.
Suppression d'une grenade amorcée lorsque tué peut désormais attribuer des points pour tu. Ouais. Ça aussi, c'est une grosse traduction de la mort qui tue. Correction d'un problème où les avions de reconnaissance aérienne ont été quoi, frais? Au mauvais endroit lorsque les rôles de l'équipe ont été inversés. C'est quoi ça, frais? Pourquoi il est traduit par frais? Bon, va falloir que je regarde de plus près. Allez, japonais. Assaut. Ah, tiens, ici on n'a pas le sapeur chez les japonais sur ce serveur. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, allez, on regardera changelog après. On se concentre les gars. Quoi? Surtout moi. Et pourtant, j'ai pas encore pris l'apéro, hein. C'est ça que je comprends. Je comprends pas justement. Je joue comme un pied et je suis à jeun. En tout cas, là je vous disais que j'avais fait des petites mises à jour au niveau de ma carte graphique. Oh putain, je suis repéré. Bah ça a l'air de porter ses fruits parce que ces derniers temps quand je jouais à Rising Storm, souvent le jeu plantait et je me retrouvais avec un écran blanc, pire un écran bleu. L'écran d'erreur fatale ou je sais pas quoi là. Bah, je suis pas concentré, je suis pas concentré, je vois rien, je suis pas concentré. Et là, je joue nickel. Tout se passe bien. Oh putain, je crois qu'on m'a repéré. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Il est où? T'es où le lance-flamme? Ah t'étais là enfoiré. Oh putain. J'ai failli tuer un copain. Pas bon là devant une fenêtre, je vois rien ou moi justement je suis à la vue de tous. Oh le fumigène là, ça va rusher là. Allez, fait tir de suppression, tir préventif. Oh putain! Oh putain! En tout cas pour l'instant je suis pas encore mort. Plutôt pas mal. Je vois personne, il n'y a pas de mouvement. Si, toi là-bas. Foiré, va. Vas-y, ramène ton cul là, l'américain. Toi, passe pas devant moi. Mais quel abruti. Putain, il y a le lance-flamme là. Il y a un lance-flamme pas loin là. Vas-y, je te couvre, abruti.
Quelle angoisse, la guerre. Ça fait chier, on voit rien. Ça bouge pas. Elle est pas mal cette map, hein. Pour l'instant, on n'en est toujours qu'au premier point. Mais moi, elle me plaît bien déjà. Ça bougeait là-bas. Allez, 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 allez. Derrière, ça contourne pas. Allez. Oh punaise, c'est pas vrai. Il était où? Carrément dans l'angle de la porte. T'es où? Je te vois pas. Punaise. Bon, le squad leader là. Mais tu vas te faire tuer. Cours pas comme un dératé. Attends qu'on arrive. Allez, prochain tour, je change de. Et ouais. Allez, une seconde, je change de classe. Oh putain, 150 mètres. Ça y est, ils ont capturé. Bon. Faites voir. Mais non, la map. Ok, donc ça va arriver sur notre gueule. Donc, faut se tenir prêt. Oh non! Bon, j'en ai eu un. J'en ai eu un. On va pas être sur le chef d'escouade. J'ose même pas regarder le classement. J'ai l'impression. Pousse-toi! Mais poussez-vous! Ouais, voilà, il s'est barré. Je l'ai eu, trop de la boulette. Mais non. Allez, on tire dans les fougères. Moi, je suis un fou de la fougère, moi. Dans la porte, j'ai l'impression qu'il y en a un là. Non? C'est juste un petit bug d'affichage. Oh punaise. Je l'ai pas vu celui-là. Bon, allez, on se reprend un peu. Ça y est, les points commencent à remonter tout doucement. Mais alors, vraiment tout doucement. Allez, elle est pas mal cette map. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est un peu du suicide où je me mets moi. Alors, en plus je me mets à découvert là comme ça. C'est pas bon ça. Ouais, ça va contourner là forcément. Taisez-vous, arrêtez de crier comme des bœufs là. Des bœufs, des bœufs. Super. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, t'as peur?
Allez, ramasse l'arme, ramasse. Voilà. Oh, un Springfield. Oh punaise! Non, juste change d'arme. Oh, Saras. Allez, chef d'escouade, il tient bon. J'ai l'impression que le chef d'escouade, il joue pas avec son rôle de chef d'escouade. Dans le sens où il n'y a pas d'avion de reconnaissance, il n'y a pas de mortier. Oh putain, il y a un lance-flamme là. Oh putain. Oh. Punaise. 89 mètres avec sa Thompson. Il se fout pas de ma gueule lui. C'est pas un peu cheaté ça? Oh là là. Oh, je suis pas bon ce soir. Je suis vraiment désolé de vous proposer un truc tout pourrave comme ça. Bon, au moins j'espère que je vous amuse. Mais ouais, voilà, c'est pas du grand niveau, hein. Et on va repasser par là. 15 espèces d'enfoirés! Oh, merci, mec. Punaise. Allez. Oh merci, putain, comment j'ai loupé ça en même temps? J'avais pas mis de viseur, j'avais pas eu le temps. Voilà, toi je t'ai arrêté. Enfin. Super, je passe un niveau sur ma mitraillette. C'est bon ça. Je suis pas mal là, je dirais. Je suis un bon emplacement. Allez, dis-moi que je l'ai eu là. Yes. Ça y est. Allez, je suis parti là. Oh putain, tu m'as foutu les boules, toi. Allez, je suis chaud là, je suis chaud les mecs. Allez, on va essayer leurs propres armes. Alors, est-ce que ça c'est... Regardez un petit coup sur la map. Je sais pas si c'est un bombardement à nous ou à eux. Bon. Bon, attendez, je vais reprendre mon arme. Je crois que ça arrive de par là aussi? Non. Maintenant ils vont contourner, mec. Allez. On sort. C'est bon, copain. Ouais, tiens, moi aussi, si je me baissais un peu. La personne qui arrive par là. Tiens, je suis concentré là. Là, je suis dans la spirale de la victoire. Oh putain. Mais oh, me vise pas comme ça, toi, hein. Tiens, enfoiré! Voilà! Eh, je t'ai sauvé la life, hein.
Oh putain. Oh putain. Oh, vite, 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 allez. Non, c'est pas par là. Mais si, c'est par là. Oh non, je suis blessé! Bah ouais, je suis mort. Ah putain. Oh, j'ai fait le con. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on revient sur le chef d'escouade. Ah, c'est un petit peu mieux là quand même, hein. On peut pas dire que. Ça y est, là je suis chaud. J'ai repris la main. Ouais, bon, c'est pas toujours aussi glorieux que ça au niveau du score, mais. Donc faut protéger ce gros canon. Alors ça va arriver d'où? Petit coup sur la map. Ouais, ça va arriver de par là. T'es où le lance-flamme? Ça bouge là-dedans, on dirait. Par contre, là, on a l'air. Ah, c'est quoi? C'est bien protégé. Ouais, ça peut arriver de la droite, ça peut arriver en face, ça peut arriver derrière. Ouais, d'ailleurs, toi, je sais pas comment t'es mort là. Toi, c'est. Ça me fait flipper ça. Oh putain. T'es mort comme ça. Oh alors là, j'ai rien vu du tout. Ouais, ça arrive de la droite. Ah. Vas-y, chef, reste en vie. Elle est pas mal cette map, elle est pas mal du tout, elle me plaît, hein. Va falloir que je fasse quelques parties encore dessus pour bien la connaître. Oh, attendez, là je suis un peu paumé. Ouais, ça arrive de la gauche. Oh putain. Oh punaise! Voilà, je crois que. C'est moi. Non. Ok, je l'excuse. Non mais en fait c'est moi, je me suis mis devant lui, on a vu le lance-flamme tous les deux, il a tiré en premier, puis voilà, bah je. C'est moi qui suis allé devant lui. C'est surtout de ma faute là. Il est où l'objectif? Il est là. Bon, de la mer, de là, ça peut pas arriver plus par la droite. Nous, ce qu'on va faire, on va essayer de protéger ce côté. En même temps, ça a l'air tranquille ici, hein. Ah, des petits mouvements là-bas. Ça, c'est une mitrailleuse à qui. Oh! Ça, c'est un américain qui est pas loin de moi qui recharge. Quoi, je peux pas escalader ça? Oh putain. Oh putain, je suis coincé ici. Oh merde! En même temps, là, j'ai bien contourné. Ouais,
Hop là! Ouais. M'en fous, je l'ai eu. Ouais, j'étais trop avancé. Ah merde, j'ai pas respawn sur le chef. Oh, il est parti gagner. Si, c'est pas beau ça. Bon, c'était pas fameux, hein? Ouais. Pas fameux du tout. Allez, on va juste voir le tableau des scores. Bon, ça y est, on l'a vu. Qu'est-ce que. Voilà, pouf pouf pouf, hein, niveau d'honneur, je suis 25. Continuer, hop, niveau 18 sur Manambou, bah ça c'est plutôt sympa. Et voilà. Bon, bah, en espérant que ce gameplay vous a plu, que cette nouvelle map vous a plu, je referai encore sur cette map et puis sur les autres maps, et puis je referai peut-être un petit tour sur. Sur Heroes of Stalingrad, parce que ça fait longtemps, et puis un petit peu de changement, ça fait pas de mal. Ouais, tout le monde veut la nouvelle map, hein, ça se voit dans les votes. En même temps, je comprends, elle est plutôt sympa. Allez, on va juste dire un petit salut. Salut! Et puis voilà. Bon, allez, bah nous on va se quitter là, et puis bah merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce vert, le petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes pas bah, ouais, d'accord. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Monsieur FrenchBoy94, vous pouvez le faire. Je vous accueillerai les bras ouverts et je vous proposerai bah, du Rising Storm, du DayZ. Je suis en train de préparer aussi une série. À chaque fois, je vous dis ça dans une vidéo et je le fais pas. Mais je suis en train de vous préparer une série que je voulais commencer il y a déjà quelques temps, mais comment dire, bah je l'ai pas fait, tout simplement. Tout simplement, je l'ai pas fait, mais là je vais vraiment le faire. Je vous dis pas quoi, mais voilà. Allez, sur ce, on se laisse ici, et puis nous on se dit bah, à très bientôt. Allez, salut les petits gars.